Hello tout le monde, nouvelle vidéo Horizon Zero Dawn. Donc je vous reprends sur la coureuse hein. Suite de la vidéo précédente, là moi j'enchaîne. Donc on va découvrir un peu le reste de la map hein. Donc j'ai mis déjà un premier point d'interrogation, un premier marqueur sur le premier point d'interrogation qu'on a là. Ensuite on va enchaîner avec le feu de camp peut-être. On va tout faire, on va essayer de tout faire. Alors en une vidéo ça m'étonnerait, ça dépend de ce que c'est, de ce qu'il y a, de ce que l'on découvre. On va accélérer un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vois des machines pour commencer. Alors, on s'est fait remarquer hein, par une machine. Voilà. Et nous, du coup, on va aller plus haut là. En espérant que ce ne soit pas le bordel. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, pour commencer, il y a des trucs à looter là. Donc il faut grimper. Allez, bon, on va grimper. Par où je peux grimper là? Tu peux pas te mettre sur la barrière là? À l'œil. Non, tu peux pas. Bon, à mon avis, il faut grimper voilà, à pied. Je pense qu'ici on peut grimper là, non? Ouais. Non, j'ai dû louper un truc, je pense. Alors, je vais bien fouiller la zone. Ouais, là on peut grimper. Alors, qu'est-ce qui se cache là-haut? Ouais, franchement, j'ai vraiment envie de découvrir complètement ce jeu. Hein. Donc, on va essayer. Je vais essayer de tout faire avec vous. Même les zones de chasse et tout le bordel. Ce pigment irait bien sur une armure. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de grimper en fait, tout simplement, voilà, pour atteindre le coffre. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ça c'est cool. Je ne pense pas pouvoir traverser. Je ferais mieux de partir pour l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tour de signal. C'est une tour de signal découverte. Pourquoi on ne peut pas traverser? Je veux des explications. Une tour de signal. Cet endroit a sans doute connu des jours meilleurs. Ok. Donc en fait c'est tout là-haut pour qu'on peut pas traverser. Il nous manque des éléments, des... Non là on peut pas grimper. Je pensais qu'on pouvait grimper mais non. Alors, mis à part par ici, pourquoi je ne peux pas traverser? Descendre le rebord. Donc là, en bas, c'était là où on était. Alors, découvrons ensemble pourquoi on ne peut pas... Ah, on va descendre à l'échelle. Ah bah oui, ça sera fait. Pourquoi elle peut pas traverser, je comprends pas. J'ai envie de découvrir. Je suis têtu. Alors que le jeu vient de me faire comprendre que non. Moi, je suis têtu. Un coffre. Je récupère. Ah. J'ai réussi. Et voilà un autre de ces dispositifs. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu me fais à l'œil? Tu peux pas grimper là sur le truc Je pense que c'était bugué là. Alors pourquoi elle a pas pu traverser? Alors là, il y a un truc pour descendre en rappel. Récupérer la lentille de signal. Une lentille. Je verrai si je peux en faire quelque chose plus tard. Alors,
Pourquoi elle voulait pas y aller, je sais pas. J'ai pas trouvé de complications ou de conneries. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas grave, au moins ça s'est fait. Hop. Donc on est là, apparemment c'était chemin bloqué. Ah, c'est peut-être pour autre chose. C'est peut-être pour autre chose, un truc que je n'ai pas vu. Bon, on va descendre à rappel pour commencer. Alors, je vais juste sélectionner le truc pour voir un peu où ça se situe là, en fait, le bordel là. C'est par rapport à ça? Ah, sans doute, parce que ben, je vois pas. La tour du signal, j'ai réussi à la faire. Alors, on va descendre en rappel encore une fois. Et on va enchaîner hein, sur un nouveau point d'interrogation, une nouvelle chose à découvrir. Il y a une tour de guet sur la roche de l'autre côté de la vallée. Ça va pas être simple d'y accéder. Ah, ça là-bas en haut là. Alors, que faisons-nous? Alors, il y a ça. On va aller vers là-bas. Bon, j'espère ne pas croiser de machines redoutables, parce qu'on n'est pas vraiment, bien équipé. Hein. On a des armes en verre. Je pense que, au niveau des couleurs, à mon avis, ça doit être pareil que sur Horizon Zero Dawn. Alors là, on va sûrement se faire remarquer par des machines. Non, même pas. Allez, on va se diriger vers le nouveau point d'interrogation là-bas. La découverte, j'adore ça. En plus, pour le moment, ça me plaît. Le jeu me plaît énormément. Même si c'est vrai que le gameplay ressemble beaucoup. Si je trouve le bon creuset, je pourrai apprendre à piloter cette machine. Ouais, vous inquiétez pas, je viendrai m'occuper de vous plus tard, les filles. J'ai pas le time. Bande de folles, qu'est-ce que c'est ici? Poussez-vous! Alors, le jeu me dit de passer là-bas. Attention, oula, c'est le carnage. Là-bas, on a des coureuses. Les cames de rivage, je veux. Ah, il faut passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux grimper ici. Mais d'abord, attends, je vais fouiller un peu là, non? Il y a quoi ici? Il y a des trucs, sûrement. Il y a sûrement des trucs bloqués. Enfin, bloqués, qu'est-ce que je raconte? Des trucs planqués? Non, il n'y a pas grand-chose de planqué. Allez, grimpons. On a pas le choix. Je veux découvrir. Je veux voir ce qu'il y a. Ça ferait une bonne teinture. Je récupère tout, hein, je vous le dis. Parce que franchement, c'est... Je veux tout découvrir. Bah, il y a une plante à récupérer. Au pire, si c'est trop galère, on fout. Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux aller sur le côté, madame. Merci, madame. Alors, apparemment, il y a un truc pour descendre à rappel. Après, ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est ça? Des pierres? Ah non, c'est la plante, je suis con. Là, il doit y avoir un truc. Un coffre peut-être? Non, que dalle. Me fait. Et voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors c'est une tour de signal apparemment. Un coffre. On récupère tout. Par où puis-je grimper? Alors il y a là
Il y a un petit passage par ici. Alors, je sais pas si je peux. Oui, je peux. Oula. Est-ce qu'il faut grimper sur la poutre? Oui. Ok, ensuite. Voilà. Là, il y a un autre truc. Voilà, il y a un coffre. C'est bien ce que je me disais. Il doit sûrement avoir un coffre au bout. Il n'y a rien de farfelu là-dedans. Mais à vendre, après, ça doit être cool. À force de cumuler. Elle a pas peur que ça s'écroule, hein, parce que c'est tout vieillot, tout qui en peut plus. Hein. J'y suis. On dirait qu'il y a un autre dispositif ici. Allez, deuxième tour du signal. Donc sur la map, on est là. On est juste à côté du début, là où on arrive, là, je crois à peu près. Enfin, c'est toujours la première zone, quoi. On fait ça, et ensuite on va aller voir cette petite colonie là-bas, là. Colonie inconnue. Allez, on récupère tout. Lentille. Je vais la ranger pour l'instant. Alors, il y en a 6 à récupérer, et j'en ai déjà trouvé 3. Rien que dans la première zone. Alors je vous rappelle le truc, c'est un verre de morceau bombé qui réfracte la lumière, récupéré dans une tour de signal Karja à l'extrémité nord-ouest d'Ekwar. Alors par contre, ah voilà, il est là le machin chose pour descendre à rappel sans se faire mal. Allez, c'est parti. Elle a une corde qui est très très longue. Hein. Allez, on va encore descendre en rappel. Oula, doucement. Parfait. Bon, là, normalement, on n'a plus besoin de descendre en rappel. Où est notre coureuse? Elle est là. Alors, à mon avis, la colonie inconnue, elle est là, on va y aller. En espérant que ce soit pas une colonie hostile. Ah là, le jeu, il nous fait passer à côté des machines. Est-ce qu'on a le choix? Je ne crois pas. J'ai l'impression que le jeu fait tout pour qu'on se fasse remarquer. Hein. Voilà, on est passé. On a un feu de camp. Feu de camp découvert. Dernière bûche. La colonie qui s'appelle la dernière bûche. Alors on a de tout ici apparemment. Est-ce que je peux sauvegarder? On sauvegarde. Que faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire? Il n'y a que dalle? Tout ça pour ça? Sûrement il y avoir des trucs planqués. Alors, juste je vais scanner les lieux pour voir un peu s'il n'y a pas des... Alors là, il y a une chasseuse, objet de chasse. Et là, on a un établi. Alors, on va l'utiliser, on va voir si on peut faire des améliorations, toutes ces bêtises. Alors, il y a des fabrications possibles. Alors ça, je vais le faire tout de suite. C'est quoi ? Bourse de piège à câble. Allez, on le fait tout de suite. Ça c'est fait. Du coup, ça a annulé une des améliorations possibles parce qu'on a fait l'amélioration de sac. Et amélioration de tenue, ça, tiens, ça peut être très intéressant. Allez, on le fait tout de suite. Voilà. Et là, on peut mettre un emplacement. Enfin, il y a l'emplacement qui est disponible pour mettre. Une amélioration et l'amélioration d'armes, c'est sur l'arc et le lance-pique prototype. Alors on va plutôt faire l'arc parce que c'est l'arme que je vais utiliser le plus, hein. Voilà, on va l'accepter. Ah, j'ai eu un trophée, 3 armes améliorées au maximum.
apparemment. Et là, il y a le lance-pic, donc on va l'améliorer aussi. Performance d'arme améliorée. Ça aussi, c'est disponible. Parfait. Et là aussi, on va tout faire. Hein. Et un emplacement est disponible maintenant. Et ben voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ensuite, un emplacement de tissu a été débloqué par l'une de vos tenues. Les tissus peuvent être équipés sur les tenues pour améliorer leur capacité. Chaque tenue est pré-équipée d'un tissu qui doit être déverrouillé en améliorant. Appuyez sur carré lorsque vous visualisez une tenue dans votre inventaire pour modifier cette tenue. Ok. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? C'est quoi ça? Ça c'est notre réserve. Alors on va l'ouvrir pour regarder un peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? DB, il y en a un paquet. Ouais, c'est surtout au niveau des outils et des ressources qu'on est qu'on commence à remplir les ressources. Est-ce qu'il y a un marchand? Est-ce que tu es une marchande, toi? Faire affaire, ouais, bah apparemment oui. Qu'est-ce que je peux te vendre? Non, les armes, je ne les vends pas pour le moment. Ok. Les ressources. Alors, ressources d'amélioration principale. Ben, je vais vendre tout ça. Tout ça, là. Combien j'en ai? J'en ai qu'un, en fait? Ah oui, j'en ai qu'un. Alors, on va vendre. Ça aussi. Ouais, on vend la totalité. Voilà, ça nous fait un peu plus d'éclat. Et sinon, à acheter, qu'est-ce que tu as d'intéressant? D'intéressant, pardon. Alors, racheter, non, ça c'est tout ce que j'ai vendu. Et au niveau des ressources, c'est tout? Coque des coups de tunnelier. Amélioration d'armes et de tenues ou échange contre des éclats de métal. Enfin, pas l'air intéressant. Du tout pour le moment, en tout cas. Allez, bon, pour le moment je vais juste me concentrer hein, sur le loot en tuant les machines, tout ça. Allez, on va aller vers ce nouveau point d'interrogation. Alors, et après il y en a un autre juste là. À mon avis c'est le point d'interrogation qui faisait face à celui-ci tout à l'heure là, ou alors c'est celui-là. Alors, je pense plutôt que c'est lui. Alors, on a encore pas mal de trucs à découvrir, mais là en tout cas, ouais, non, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Parce que, ouais, on a découvert une colonie, on a fait deux points d'interrogation. Je pense que c'est une bonne moyenne, tranquille. Donc voilà, on va se laisser là pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous a plu. Comme d'habitude, restez peace, aimez-vous les uns les autres. Et salut, ciao, et à la prochaine pour de prochaines découvertes sur ce jeu, bien sûr.